j'en sais rien. C'est toi qui as inventé comme mot. Oh, je veux voir ton pipou. Je veux voir ton petit pipou. Ah, j'ai pas de place. Défais un tout. Non, non, je défais pas de bouton, je vais être toute nulle. Mais non, un seul. Voilà, et ça suffira. Coucou, mon petit bébé d'amour. Mais non, pour ma corne de licorne. À quoi pour ta corne de licorne? Il faut que tu me fasses un petit cheval ou une tresse. Ah oui? Maman? Oui. J'ai très peur de ce cauchemar. Ah bah oui, mais elle est tombée dans un trou, c'est ça? Non. C'était quoi le truc? Est-ce que j'ai ouvert un truc qu'il fallait pas ouvrir? C'est quoi? Un truc rapetisseur. Et donc c'est Josette qui rapetissait ou c'est toi? Non, c'est Josette. Bon, c'est pas très grave. T'as peur de te faire gronder, c'est ça? Ah, oh, mais mamie, la coquine, elle a rapetissé. C'est pas très grave, ça. En quoi ça te fait peur? Non. Hein? Pas peur. C'est moi qui ai peur, pas le cauchemar. J'ai bien compris. Josette n'arrivait pas, elle n'arrivait pas à sortir. Bah, elle était petite, elle aurait dû arriver si elle était petite. Non? Tu crois pas? Que ton cauchemar il s'est un peu moqué de toi? Oui. T'aurais dû lui dire, mais c'est pas normal, si elle est plus petite, elle peut sortir plus facilement. Tu me regardes? Tu me regardes? Je suis jolie. Tu n'as pas donné à manger le crocodile. Non, d'abord tu vas mettre ton pouce. Est-ce que tu peux faire une partie? Bon, je sais pas si on a le temps de regarder là. Toi. Il y a une technique, hein. Si la dame résiste, il faut pas le faire. Allez, vas-y. Non, je crois qu'elle résiste. Tiens. T'es prête, ma fille, pour une nouvelle journée? Maman, elle t'a mis une surprise dans ton déjeuner. Je crois que c'est du chocolat. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que du chocolat. Moi, je sais. On y va. Bye bye, mon ange. Bye bye. Je t'aime. Ah, tout est tombé. Bon, on n'est pas en avance. Bisous à Peter, câlin maman. Je t'aime. Passe une bonne journée, mon amour. Je t'aime. Tu pourras me faire une surprise? Bon, évidemment. Évidemment, évidemment. Je mets dans mon... Le bracelet est par terre, chérie. L'autre côté, l'autre côté. Allez vite, il y a quelqu'un qui appelle l'ascenseur. File, 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 file. Allez, bye. Bonne journée, je t'aime. Bon, ben voilà, ça y est. Le marathon du matin. Et fait, maintenant je vais débarrasser leur petit déjeuner. Je laisse la tasse de Louise parce que souvent il reprend un café. Et je vais aller faire mon café à moi. Cette nuit, ma poupée elle se réveillait vers 4h30, 5h je crois. Elle est venue dans le lit, elle a eu du mal à se rendormir, elle avait fait un cauchemar. C'est ce qu'elle racontait tout à l'heure, elle avait fait un cauchemar où elle avait ouvert un truc rapetissant qu'elle avait pas le droit d'ouvrir. Et Josette, donc enfin le chien de ma mère, rétrécissait. Et du coup elle n'arrivait pas à sortir. Bon, je la rassure en disant que son cauchemar s'était moqué d'elle parce que si elle avait été plus petite, ben, elle avait plus de facilité à sortir. Mais bon, du coup, entre 4h30 et 6h30, elle a pas vraiment dormi quoi. Enfin, moi j'ai pas vraiment dormi parce qu'elle s'endort. Enfin, je pense qu'elle somnolait et elle me disait: maman, serre-moi fort dans tes bras, maman, rassure-moi. Donc j'ai beaucoup parlé avec elle, discuté avec elle. Après, les cauchemars c'est normal, enfin, pour les petits, hein, donc. Donc voilà, moi bon, c'est parti pour mon café. Parce que je me dors dessus là. Du coup je m'étais dit que j'allais me mettre à bosser dans le lit aujourd'hui tellement ça m'a cassé. Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche, you didn't say goodbye.
I've been waiting for so long, still debating what went wrong. Bon, toujours dans mon lit, toujours en train de bosser, il est 12h30, il faut absolument que je mange, que je me lave et que je m'habille. Parce que là, c'est juste pas possible. Par contre, c'est vrai que je n'aurais pas pu travailler assise aujourd'hui. Voilà, il me reste encore quelques petits trucs à faire. Ça, je vais l'exporter déjà. Faut que je regarde ce que ça donne au final. Je vais l'exporter. J'ai travaillé sur une vidéo pour YouTube, une IGTV. Et là, de toute façon, il faut que je me lave et que je m'habille. Puisqu'il faut que je tourne des vidéos pour vous, mes loulous. j'ai des vidéos là qu'il faut absolument que je fasse et que j'ai envie de faire en plus. Et du coup, je vais en profiter. Parce que j'ai à 12h30, après, elle sera de retour vers 15h45, vers 16h. Avec Darlan. Du coup, là, je pourrais plus parce que je vais pas l'empêcher de vivre, ma fille. Quoi. Je vais pas lui faire chut, parle pas, pas de bruit pendant que maman tourne. T'imagines l'enfer? Non. Du coup, je tourne pas quand elle est là, ou si elle est là, elle fait avec moi. Mais ça fait longtemps qu'elle a pas fait de vidéo. Je proposerai. Bon, je vais manger après parce que sinon je ne tournerai jamais. Je me connais parce que si je mange, la grosse que je suis va vouloir digérer. Et si je mange, je vais pas manger devant un mur, donc je vais vouloir mettre une série. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais me maquiller vite fait, vraiment très vite fait, pour vous tourner la petite vidéo que je peux vous tourner. Je vais peut-être même faire dans la foulée l'IGTV que je vais vous tourner. Et ensuite je me ferai réchauffer à manger, je me poserai, voilà, je digérerai machin et tout. Et puis Eliora sera rentrée d'ici là. J'ai tourné ce que je voulais tourner aujourd'hui, je suis contente. Je pourrais, enfin, si j'avais pas besoin de manger, mais là autant vous dire que il y en a une là qui va faire la gueule. Si je n'avais pas besoin de manger, j'aurais même enchaîné sur une troisième, mais il faut que je la prépare un petit peu quand même. Donc je vais déjeuner. Par contre, elle me donne des sacrés coups. Je vous raconte pas. Elle me défonce. Je vais me préparer donc un plateau déj. Je vais juste me faire réchauffer les trucs d'hier soir en fait. Et ensuite, je vais rester dans le lit, faire du montage, voilà, tout bêtement, parce qu'Eliora va est là dans genre moins de 2 heures. Bon, ce soir, je vais faire simple, je vais faire une pizza. Donc là, je vais lancer juste une recette de pâte à pizza, pas celle que je fais d'habitude. Je vais tester la recette Magimix avec le Cook Expert. Oh, j'ai mal. En fait, depuis ce matin, j'ai très mal à un sein. Là, j'ai appelé ma mère, j'ai eu Laure et Loïs. Et à chaque fois, j'ai eu une réponse différente. Donc, j'ai pas vraiment de réponse. Je me demandais si c'était possible de faire un engorgement avant d'avoir accouché. Parce que vous savez, moi, j'ai déjà des montées de lait, enfin, des montées de colostrum, hein, parce que c'est pas encore du lait. Mais ça me fait vraiment très très mal. Et je suis assez fatiguée à vrai dire. Mais ça, c'est lié à ma nuit. C'est la vie de parent quoi. Donc bref, du coup je vais faire pizza. C'est hyper simple. Je vais foutre... Je vais lancer la recette de la pâte à pizza. Et puis pour la sauce tomate, bon, je vous expliquerai ma petite sauce tomate quoi. Je sais pas si je vais pas la faire dans un robot aussi, la sauce tomate, du coup. On va voir. Pour préparer la pâte à pizza, vous allez avoir besoin de 330 g de farine, d'une cuillère à café de sel, enfin une pincée de sel, une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure de boulangerie, 90 g d'eau et 90 g de lait. Pour commencer, vous mettez l'eau et le lait et votre levure si elle va dans les liquides. La mienne va pas dans les liquides, donc je la mets pas. Et vous la mettez en mode expert 1 minute, vitesse 7, 40 degrés. Moi, je fais tout ça dans mon Cook Expert Magimix. Franchement, c'est mon robot favori de tous les temps. Pendant que ça tourne, j'ajoute une pincée de sel parce que ma levure doit pas être en contact avec le sel directement non plus. Une fois que c'est terminé, je vais venir ajouter ma farine, ma levure et mon huile d'olive. Et tout ça va aller au programme pain brioche. Donc c'est un programme qui dure 5 minutes, qui chauffe pas et qui permet en fait de former directement la pâte en vraiment 5 minutes top chrono. C'est hyper bien.
Une fois que c'est terminé, je vais venir prendre toute la pâte qu'il y a dans mon robot, en fait, enfin, vous en doutez bien, et je vais en faire une boule. Et cette boule, je vais venir la mettre dans un saladier pour pouvoir la laisser monter. Je m'amuse un petit peu avec, je sais pas pourquoi, c'est dans mon délire. Mais du coup, ce saladier, j'ai une astuce pour faire monter plutôt que de mettre un torchon dessus et d'attendre, c'est de la mettre dans le four avec simplement la lumière allumée. Ça fait que c'est un espace un peu chaud et en même temps ça cuit pas. Et au bout de 30 minutes, comme moi j'utilise une levure rapide, ça suffit largement. Là, je nettoie grâce au mode nettoyage. Et c'est parti pour la sauce tomate. Alors pour la sauce tomate, il n'y a pas de quantité, hein, il n'y a pas de science. Je mets à chauffer de l'huile d'olive dans une casserole et je prends 5 tomates que je vais venir bien évidemment nettoyer. C'est très important de penser à nettoyer les fruits et les légumes avant de les cuisiner. Un demi-oignon que je vais couper en lamelles et que je vais mettre à revenir dans l'huile d'olive qui est déjà chaude en fait, tout simplement. Alors là, tout de suite, comme je viens de les mettre comme ça, je les sépare avec ma cuillère en bois et je vais découper mes tomates en gros quartiers en fait. Je fais et je les mets à cuire avec les oignons. Une fois que les oignons ont un peu fondu, c'est délicieux. Là maintenant il faut assaisonner, du coup moi je rajoute un peu de sucre, du sel, un peu de sucre, du sel, du poivre. J'ai également mis de l'ail et une huile parfumée au basilic. Une fois que tout est cuit, vous voyez, ça a l'air déjà très bon. Je vais simplement venir mixer ma sauce tomate. Moi, j'ai une presse en fait qui presse aussi bien les fruits que les légumes dans mon Magimix. Du coup, ça m'a permis de faire une sauce parfaite, hyper lisse, trop bien. Ensuite, pour le montage de la pizza, je vais rien vous apprendre. Il suffit de prendre la pâte, de mettre de la farine, d'étaler la pâte. Là, c'est Dura qui le fait. Cette pâte, je vais venir la mettre sur du papier sulfurisé sur une grille. On met un peu d'huile d'olive qu'on étale partout. On rajoute la sauce tomate et le fromage. Pendant ce temps-là, le four avait préchauffé à 200 degrés et je vais mettre à cuire pendant 10-15 minutes en fonction de la taille de la pizza. Bon, Elior est en train de ranger sa chambre parce qu'elle a joué et qu'il y a ma maman qui arrive pour lui faire un gros bisou. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Mais regardez qui est là, c'est mamie Catherine. Elle est plus grande ta chambre alors? Oui, je vais la ranger. Bah oui, oui, tu la ranges. Bon, allez, donne-moi. Je fais comme ça. Voilà. Hein? Elles sont trop mignonnes toutes les deux. Tu vas faire un stand ou on va faire autre chose? Mais mamie, elle veut partir là, chérie. Mamie, faut qu'elle elle passe. Est fatiguée. Regarde, t'as fait tomber quoi? Une pièce. Une pièce? Elle s'accroche, elle veut pas la laisser partir. C'est quoi ce enfant? Tu sais depuis quelle heure elle est réveillée, mamie? Et voilà le résultat de la pizza d'Ilura. À mon avis, elle va être dévorée très vite. Bon, alors attendez, est-ce qu'elle est bonne cette pizza que t'as faite? En fait, j'ai pas goûté. Et tu souffles bien. Tu peux souffler bien. Alors, moi, je vais souffler. Je pense que ça va. Tu peux prendre un petit bout. Oui, Kiki. C'est bon? Oui. Oui, hein. la pizza maison. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Oui, quoi? Des tomates, de l'huile d'olive, des oignons. L'avocat? Non, il n'y a pas d'avocat. Il y a des oignons. Mais tu sens pas? Non, il n'y a pas d'avocat. Il y a des oignons, il y a de l'emmental râpé, il y a du parmesan râpé, il y a de la farine. Je sais râper. De l'eau, du lait. Mmh. Bah, bonne nuit mon amour. Bonne nuit ma vie. Bonne nuit. Oh, trop bien. Oh. Allez, bye. Maman, je voulais te faire un tac-tac des bisous, mais vu que j'ai très mal, j'ai pas pu me faire. Non, tu peux pas. Allez, bisous, vas-y, va avec papa. Calme-toi, tu vois pas que tu fais mal. Maman a acheté les personnages que je voulais, mais il n'ira pas sur le gâteau. Ça sera juste pour jouer, d'accord? Oui, d'accord.
Bon les gars, il y aura assez d'eau couché, je vais pas vous mentir, j'ai demandé à Loïc s'il pouvait faire les pizzas, il m'a dit qu'il était trop crevé. Du coup demain matin je me lèverai, je préparerai des pizzas pour, enfin une des mini-zza, on va dire ça comme ça, pour le déj d'Eliora demain. Et ce soir on s'est commandé à manger pour lui et moi parce que je suis vraiment pas en forme. Je vous ai pas trop embêté en vous disant ça, mais là je viens de prendre un bain chaud pour essayer de faire passer les contractions et les douleurs. J'ai une douleur à la poitrine qui est horrible, horrible, qui m'a pas quittée depuis ce matin. Ça ressemble comme... ça fait une douleur un peu comme un engorgement, sauf que j'ai pas le... Déjà, j'ai pas accouché, donc je vois pas comment je pourrais faire un engorgement. Et ensuite, la petite, elle me donne des coups placés à un endroit, là, genre elle toque à la porte. Je sais pas si l'image est assez claire, elle toque à la porte pour sortir et c'est pas possible. 34 semaines, c'est pas possible. Tôt. Donc je vais me détendre, me reposer et du coup voilà, je vais manger tranquillement dans le lit. Je pense que de toute façon ma tête elle parle pour elle, enfin d'elle-même pour elle-même. Bon bref, c'est pas la peine d'essayer. Je pense qu'il y a des moments comme ça, il faut écouter un petit peu son corps et lever le pied comme on dit. Bon j'avoue, j'ai quand même, même si je vous ai pas montré, j'ai quand même bougé pas mal dans la maison, mais dans la maison. Je comprends pas, ou alors c'est pas, et voilà. Et sinon, comme cette nuit elle aura assez réveillée, et que du coup, bah moi aussi, c'est peut-être c'est aussi quand je passe une mauvaise nuit que la journée est très difficile. Enfin, bon, du coup, repos au lit. Je vais manger au lit tout à l'heure, ou quand ce sera livré. J'ai repris la même chose que j'avais pris la dernière fois chez ma mère, oh, c'était très bon. Donc, j'ai pris ça, et puis moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.